Attends. Ah, ça tourne. Ah, ça tourne. Ok, bon. Tu elle sur pas son... ça hein. Non. Elle est sur son téléphone, ça l'amuse. La vie termine, on t'attend. Il est temps de me relever et de fermer la porte. C'est bon, je touche plus à mon téléphone. Ok, donc salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui, je suis avec... Océane. Oui. Donc c'est une de mes plus proches amies avec Diana que vous avez pas encore vue, mais on la verra une autre fois. On essaiera peut-être de faire un truc à trois, tu vois. Un plan à trois, voilà. Un plan à trois. Donc voilà, et aujourd'hui, enfin j'ai fait la dernière vidéo que vous avez vue, en fait je l'ai tournée hier et je l'ai postée. Et mademoiselle a commenté, je veux bien être ton cobaye en fait. Du coup, aujourd'hui on est lundi, on aurait censé être en cours, mais il y avait du verglas dehors, du coup, pas de bus. Du coup on est là et je lui ai dit, bah t'as qu'à venir, on fait une vidéo et puis... Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur ma cobaye que voici, avec ma nouvelle palette de Too Faced que je vous ai montré donc. Et une petite information pour que vous sachiez, mademoiselle, sa couleur préférée c'est le rose, n'est-ce pas? Le rose, si vous cherchez un cadeau à lui faire, c'est « Oh, je vais prendre un truc rose !» Du coup, quand j'ai vu la couleur Jingleberry ici, et qu'elle l'a vu d'ailleurs dans ma vidéo, ça lui a plu, ça m'a plu, et je me suis dit ça va être bien. Du coup, on va faire quelque chose avec ça. Et voilà, on va commencer... regarder la suite. Elle s'est attachée les cheveux, ça va être plus simple. Donc on va pouvoir commencer. Donc la base avant toute chose. Voilà. Tu vas te passer ça sur le visage, on va enlever toutes les possibilités de gras sur le visage. Ah, parce que je crois que je me lave pas, c'est ça? Non, mais c'est que ça vient vite. Hein. Même moi là, je l'ai fait ce matin et je suis déjà grasse. Comme ça, ça fait une base, comme ça, ça coule pas, ça bouge pas, c'est beau. Tout d'abord, on va commencer par mettre du primer pour que le maquillage tienne toute la journée. Donc celui-là, c'est de chez Catrice, c'est Prime and Fine. C'est celui-là que j'utilise, il est pas trop cher chez DM. Et il est bien. Ça vite. Je te fais un petit massage. Ferme la bouche, sinon je t'en mets dedans. Un peu sur le front, parce que t'as un grand fond. C'est gentil, Camille. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est important, surtout la ligne du T, là. La zone T, c'est l'endroit où ça vient plus le gras. Bon, toi, t'as pas une tête grasse, toi, t'es parfaite. Donc maintenant, pendant que ça vient un petit peu... Alors, elle a emmené son fond de teint de chez Yves Rocher. Et moi, j'ai ma Catrice HD Liquid Coverage. Elle, c'est le zéro défaut, si vous voulez savoir. C'est quelle couleur la tienne? C'est le plus clair. C'est le plus clair. C'est moi. Moi, c'est aussi le plus clair. C'est le 0,10, moi. Rose sang, d'accord. Ouais. Moi c'est le light beige 0,10. Ah, faut bien étaler par contre, sinon ça fait un peu beurrette. Un peu beurrette. Le mien est quand même plus clair. Ouais. Hein. Ok, donc le mien c'est marrant, ça fait une petite pipette comme ça. Là, j'en mets un peu sur mon beauty blender que j'ai mouillé auparavant, c'est important. Voilà. On va zoomailler. On va zoomailler sur ta tête. Voilà, les petits cheveux là. Tiens, ils sont bons tout comme ça. Oui, ils sont mauvais, c'est pour ça. Ça tourne un peu. Vous voyez tout le rein, vous avez compris le délire. Voilà, faire ma bouche. C'est une technique, hein. Si vous descendez pas le fond de teint sur votre cou un peu, vous pouvez vite ressembler à une beurette comme, comme elle dit à la dame. Pauvre fille. Tu fais « Ah, je fais mal !» Comme tu le fais très bien. Parce que elle a tendance à le faire le petit bébé pour que vous sachiez. Si on la tape, l'autre fois, à mon anniversaire, je l'ai invité avec son copain. Et il lui a foutu un petit coup, elle était là « Ah, j'ai mal !» En mode je vais décéder. Alors qu'il lui a foutu une petite pichenette là, ça y est. Non mais en vrai t'as pas l'impression qu'il tape fort, mais il tape fort hein. Vous voyez comment elle fait la victime ou quoi? Toi ta chaîne elle a des soucis psychologiques hein. Bah, pour la tienne elle me squattait, on aurait dit j'aurais été un coussin. J'étais son pouf pour la soirée, c'était génial.
Ensuite, deuxième petite chose, on va passer avec du concealer, donc du anti-sèche si vous voulez. Qu'on me voyait un petit peu quand même. C'est important. Et donc c'est de chez P2, c'est le Mattifying Perfection. Donc je vais faire en fait des genres de triangles en dessous de ses yeux. Illuminati, bonjour. Ma tête. Là, un peu sur le menton. On va mettre un petit peu sur le front là. Un peu grand sur le front. Voilà. Rapetissez son front. Je vais faire un contouring rapetissez son front. Oui. Ah, ça fait sexy hein. Ouais. J'adore. Ça va lui plaire, attention. Tu pourras lui montrer, tu vas être la regarde. Le Beauty Blender. Ouais. La blush est grave agréable quand même. Ouais. Non, en plus, j'en avais vu un, c'était Monoprix. Mais genre 8€ le truc, je suis là. Tu sais combien ça coûte ça? Celui-là, c'est le vrai, il s'appelle vraiment Beauty Blender, c'est de la marque, tu vois, c'est genre 16€. Hein. Ah, alors, non, te plains pas. Ça... te plains pas, hein. Ouais. Encore, moi, en ce moment, je me maquille moins en moins, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. À chaque fois, je suis là, bah, je suis pas maquillée, hein. Faites pas chier. Non, c'est. Je sais pas, j'ai moins envie. Puis je trouve surtout qu'en ce moment, je m'assume un peu mieux sans maquillage. Avant, je venais une fois au lycée sans maquillage, c'était que j'avais une infection à l'œil ou un truc comme ça, mais sinon, c'était pas possible. Maintenant, des fois, je viens sans maquillage. Mais toi, t'es belle sans maquillage, mais non. T'as des cils en mode piou. On dirait, il y a non-stop du mascara dessus. Moi, je suis en mode, y a rien. Ensuite, on va prendre la poudre pour faire tenir tout ceci. C'est de Trendy Lab, c'est Expert Finish Powder. Donc voilà, c'est une poudre translucide en soi en fait. Et donc je vais prendre le Beauty Blender et lui en mettre à les endroits où j'ai mis du concealer pour que ça tienne. Je suis concentrée. Hein. Je suis concentrée. C'est pas sur le pif là, on l'aime pas, on veut le cacher comme ça. Je la bâche, mais c'est pas vrai. Elle se fout bien de ma gueule sur mon intolérance au lactose. J'ai le droit de me foutre de sa gueule à coup de temps en temps. Pas de carbonara. Ah, RIP. Sur Facebook, il y avait un truc. Ouais, moi des pâtes carbonara, j'en mangerai tout le temps. Ça fait 3 mois, je peux pas en manger parce que sinon je suis malade. Enfin, je pourrais me forcer, mais après je suis malade, c'est pas beau à voir. Du coup, je suis là. RIP, Océane et tout. Elle se foutait de ma gueule, ça y est, ok. C'est moi qui l'ai cherché, mais bon, on s'est compris. Ah là là, comme elle est belle! Oh là là! Je vais prendre un petit pinceau et je vais faire le contour de son visage aussi. Un petit peu. Voilà! Qu'est-ce qu'elle est belle! Non, elle est horrible. Tu te tais, hein! Ça va pas aller, ça. On va faire ensuite les sourcils avec le Eyebrow Designer de chez Essence en 02 Brown. Si t'étais chez moi, j'aurais pu te rendre le tien. Depuis l'année dernière, je lui ai prêté mon reste de crayon, enfin je l'ai passé, et elle a dit ouais, je te le rends quand j'en aurai racheté un et tout. Toujours pas revu. Je suis sûre que tu t'en as acheté des noirs là. Ouais. Combien de fois faut que je te dise, tu prends pas de noir, même quand t'as les cheveux les plus foncés du monde, tu prends toujours un brun foncé, pas du noir. Sinon t'as l'air de méga sévère et tout. On va juste repasser sur ses sourcils, hein. Ils sont bien ses sourcils. Voilà. Il manque un peu de poils là. C'est parce que je les ai trop épilés après tout. Voilà, les sourcils un peu en beauté. Alors, pour avant tout, avant de commencer, je vais lui mettre la base à fard à paupières de chez Trendy Up Expert Eye Base. Je vais t'en tartiner les yeux. Tel du beurre sur une tartine. On est prête pour mettre autre chose. Pour vous expliquer, j'ai cherché des mouchoirs. Elle va se les tenir en gros sous les yeux comme ça, avec deux doigts pendant que je fais très belle. Pendant que je fais les fards à paupières, parce que ceux avec des paillettes, j'ai fait le test, ça tombe quand même. Surtout avec mes pinceaux, ils sont pas les mieux. Donc avant que je m'en rachète, voilà. Donc elle va tenir ça comme ça, histoire que quand je le fais, ça tombe sur le mouchoir et pas sur sa peau, quoi. Mes petits pinceaux. J'ai ma palette. C'est bon, non? Ah, tu le passes le mieux possible en dessous de ton nez, comme ça va.
En gros, je dois plus respirer, quoi. Tu le replies au-dessus de ta bouche, le mouchoir, c'était pas con, ou voilà. Donc déjà, on va lui faire une petite base. J'ai utilisé Banana Date, qui est le grand petit truc, là. Donc je vais utiliser ça et je vais le mettre sur toute sa paupière. Histoire que ça fasse une base, que ça fasse plus bouger le... que ça fasse tenir la base à faire la paupière et qu'en même temps ça soit plus facile à travailler les autres couleurs par la suite. C'est fait. Alors comment on va faire Alors déjà Jingleberry tu veux l'utiliser. Est-ce que tu as une autre couleur que tu aimerais que je mette avec qui te plaît? Je lui demande, elle me fait bah le bleu. On en parle en même temps, comme ça, voilà, on essaie quelque chose. J'ai jamais testé encore avec la couleur rose-rose, donc ça va être une couleur qui va bien. Je vais utiliser Cake Batter, qui est ici comment on peut dire ça? C'est un tout petit peu une teinte rosée niveau brun. Du coup, voilà, je vais utiliser ça pour son entre-paupières. Je sais pas comment on appelle ça en français, crease en anglais, vous verrez. T'as pas beaucoup d'espace de paupières, toi, donc on va faire que je fasse la technique du blend. Que je voie un peu la forme. Donc là, je vais avoir besoin de ton talent de coupeuse de paillettes. J'ai mes pancakes qui est cette couleur un peu rosée là, avec des paillettes. Et je vais lui mettre sur la paupière en fait, pour faire une base avant d'accueillir le Jingleberry. Madame Mouchoir. Ça va être parti pour le show. Je vais prendre un peu de Perfect Face de chez P2 et je vais en mettre un peu sur mon pinceau. Comment on s'éloigne. Voilà. Pour le mouiller en même temps que ça fasse tenir un peu plus la couleur. Jingleberry qui est donc le rose violet que vous voyez ici. Je vais prendre sur mon pinceau. Je vais le saturer. Maintenant c'est le moment crucial. Là je me loupe, c'est tout est ta faute. Je vais travailler un petit peu en V son. C'est comme si je lui faisais un peu un trait d'eyeliner avec la couleur en fait. On va lui faire un truc assez dramatique quand même, hein. Faut pas se le cacher. On n'est pas là pour déconner. Donc ici en fait je vais tracer un genre de V en partant du ras de ses sourcils, du ras de ses cils vers le bout de son sourcil. Comme si je suivais en fait la ligne d'en bas de sa muqueuse. Et je vais tracer ça tout doucement et je vais remonter au niveau de sa paupière où elle cligne des yeux. Et je vais tracer vers l'avant. Tapoter tout ça là. Dès que t'as de l'eyeliner rose, tu te rends compte. Regarde. Donc là, j'assombris un petit peu la partie extérieure. Pour qu'on le voie plus. Non, c'est dangereux. Donc vous faites en fait un V avec une couleur. Un peu pète comme ça, donc ici c'est le violet. Donc vous tracez un V en partant de là. Surtout si vous avez une petite place sur elle, comme elle, vous le refaites partir là où il y a vous clignez des yeux en fait, l'entre-paupière. Ça s'appelle le crease en anglais, mais la crease. T'es payé en maquillage, voilà, on peut pas se plaindre, ça marche pas comme ça. Ensuite, pour l'instant, on va laisser la base comme ça. On voit pas dans la vidéo et on dit c'est même pas sa vidéo, c'est la vidéo d'Océan. Ensuite on va mettre un petit peu de Sugared Raisin. Et ça a une légère teinte rosée. Et je vais le mettre en fait vers le milieu de sa paupière et le faire remonter vers l'avant là-dedans. Quoi. Donc je vais faire mélanger en fait les deux là où ils se rejoignent. Et en même temps, ça va faire une base plus claire pour l'avant. Donc ça va faire un ombré léger, quoi. Je vais reprendre un petit peu
violet et le faire remonter un tout petit peu plus loin ici. Ici. On va en tapoter un tout petit peu plus au milieu, histoire que ça fasse ressortir le milieu de l'œil. Voilà, alors enlève une fois pour voir. Pas mal, pas mal. Ça fait sacré dramatique en mode, t'as vu ou quoi? T'as vu comme c'est dramatique, mais c'est vachement beau. En vrai, ça sort mieux que sur la caméra, mais ça fait. Il manque plus que des fossiles en plume là, et ça y est, c'est. La fête. Alors ensuite. En vrai, Ben il va se demander si je joue au carnaval. Ouais, c'est ça, il va se dire. Tu comptes te maquiller comme ça, tu un peu de gris pour faire ressortir ici. Donc je vais prendre Sugar Beige qui est le l'argenté juste ici. Et je vais t'en mettre juste au coin de l'œil ici. Hop. Donc, j'ai pris un truc un peu rond comme ça pour que ça rentre mieux dans l'endroit. Et je lui mets juste ici au coin de l'œil en fait pour faire un petit highlight pour que ça ressorte. Fermez-les. Ouais, t'as vu comme ça ressort déjà? La lumière, ouais. Rien qu'à cet endroit-là, ça. Ça, vous mettez une teinte claire ou un truc un peu. Selon le look, un peu champagne ou quoi, et avec des paillettes, ça fait tout ressortir le look en entier. Donc, je reprends du Jingleberry qui est le rose. Là, tu peux le laisser. Ça devrait aller. Et je vais t'en mettre. Lève les yeux au ciel. Comme si t'étais saoulée de ce que je te disais. Elle me saoule. De faire ressortir. Si déjà on va un peu dramatique, toi y aller à fond, n'est-ce pas? Toi t'es toujours maquillée, un peu léger, sauf des fois sur les photos, je vois. Donc ça change un peu de te voir maquillée comme moi, des fois je le fais. Là je fais rejoindre la partie qui monte comme un eyeliner en fait, avec la partie du bas sous la muqueuse. Ça me fait plaisir. Ne prends pas pour toi, hein, pleure pas. Hein. Moi je veux pas que tu pleures. Hein. C'était pas ce que je voulais. Mais Ben il voudra plus jamais que tu reviennes chez moi. De toute façon, il va voir dans la vidéo là que tu le frappes. Je l'ai frappé, je suis désolée, Ben, je sais pas ce que je voulais. C'est elle, elle m'oblige. Vous savez pas, mais dans les coulisses et tout. Franchement, je suis une pauvre fille, quoi. C'est moi la victime. Ok? Vous êtes mes abonnés, protégez-moi. Elle, on s'en fout, c'est pas grave. Elle est juste là pour faire cobaye. C'est genre, dites-vous, c'est un rat. Voilà. Elle n'a que de rat, là. Alors, mon cobaye est là pour tester ma palette. Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas faire, du coup. Voilà. Ferme. Ferme ta gueule. Ah, ça change pour une fois. Ah! Elle ouvre l'œil, mais quelle débile. Attends, ça va partir. Oh putain, ça fait mal. C'est bon. Elle est décédée pendant 3 secondes. Non, mais c'est vrai, t'as déjà eu de la poudre dans l'œil. Genre, moi je le fais. Je me suis déjà foutu le pinceau dans l'œil avec la poudre. Ça fait mal, oui. Et souvent, ça pique, hein. Bah oui, en principe, t'es pas censé foutre un pinceau ou de la poudre dans ton œil, c'est pour ça. Et genre, la colle pour fossile. Tu en es foutu dans l'œil? Ouais. Non, moi je me suis pas foutu dans l'œil, mais par contre je me suis collé les cils avec. Et du coup, quand j'ai enlevé ma colle à fossile au début, surtout les débuts, oh my god, c'était chaud. C'est chaud, hein. Ah, moi j'ai détesté ça. Je l'enlevais, j'étais en train de chialer, j'étais là. Pourquoi j'ai fait ça déjà? Moi souvent j'enlève avec l'eau micellaire, tu sais. Ouais, ouais, pour que ça détache. Ouais. Moi je l'enlevais en mode. Y'a plus de cils. Lumière. Fermez-les. Je vais revenir avec un petit peu de rose sur mes pointes pour refaire venir la couleur qui est partie en voyage. Ça fera 110 euros s'il vous plaît. Voilà, merci, au revoir. On voit pas dans cette vidéo là. Bon, je sais, pour raison, on n'a rien à voir, mais. Ça fait un peu plus. Ouais, c'est mieux. Hein. Ça ressort un petit peu, ouais. Plus. Ça fait un peu de.
de depth, de profondeur en tes yeux. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Mais ça, j'aime bien. T'as intérêt à bouger, ma grosse, hein. J'aurais dû enlever mon mascara aussi. Ça va, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Ouais. Donc maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc c'est le Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen de chez Catrice. Toujours ADM. Et donc je vais lui faire un petit crayon, un petit trait. Oula, on a plus beaucoup de batterie. Hein. T'as pas à faire ça. Fais pas ça. Hein. Ne me fais pas de frayeur. Donc je vais tout simplement suivre la ligne que j'ai tracée avec le fard à paupières. Et je vais l'étirer vers ceci. Je vais pas faire un trait trop dramatique parce que c'est déjà un look assez dramatique en soi. Et je vais suivre juste la base. Je vais poser en fait le stylo sur la base de ceci et je vais juste étirer comme ça. C'est léger. Juste histoire de donner un petit peu plus de trucs encore. Vas-y, ouvre les yeux. On va faire la technique. Là c'est soirée, genre je sais pas, thème rose, tu vois, ou un truc comme ça, ou soirée t'as envie de sortir, faire la belle avec ton masque, avec ton rose, que tout le monde voit et que t'aimes le rose. Que si je venais, je vous faisais un tuto tout simple, enfin je sais pas, du tuto naturel, vous pouvez le trouver partout. C'est un peu plus rigolo quand même. Quelque chose de plus. Festif. Oui, c'est notre technique pour dire ça va pas mal, ferme. Faut que je te tire l'œil, c'est important. C'est joli, c'est le genre de look que je me ferais bien ça. Je vais te le piquer. Là, tiens, t'as envie de sortir et d'avoir un petit look un peu, tu vois, pète et tout. Ça me donne des idées. Après, tout le monde aime pas, je suis d'accord et tout, mais bon, il y a plein d'autres tutos sur internet pour faire des trucs extra naturels. Moi, j'aime bien quand c'est un peu rock, un peu. Quand je me maquille, je veux que ça pète, quoi. J'ai pas envie qu'on dirait que je me suis pas maquillée et que j'y ai pas passé 3 heures, quoi. Déjà. Sous les projecteurs. Cara, est-ce que tu veux que je tente de t'en mettre ou est-ce que tu veux le faire toi-même? Non, vas-y, fais. Entraînement là-haut. Entraînement. Donc, je vais utiliser d'abord comme base le 100% Black Bombastic de chez P2. C'est le waterproof. C'est le moment où tout peut basculer. Là, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire un trait d'eyeliner correct à quelqu'un d'autre. Tu tentes pas du tout d'ouvrir la bouche, hein? Ah. En vrai, je serais... Ça va, sur moi, je suis là en mode... Tout le monde. Ouais. Mais faudrait... Des fois, tu as envie de t'entraîner devant le miroir pour avoir une tête sexy, t'es là en mode... Mais en vrai, t'es... Surtout quand je fais mes cils d'en bas, je suis là en mono. Pour pas toucher la peau. Trop sexy. Je suis pas trop dégueulasse. Je suis pas trop dégueulasse, ma fille. Hein, c'est pas trop dégueulasse, dites-le moi, merci. J'ai besoin de votre accord. Ensuite, je vais partir sur une deuxième couche avec le High Impact Mascara Waterproof Volumizing Collagen aussi de P2. C'est une texture beaucoup plus liquide, donc... C'est bien pour allonger encore les cils un petit peu. Attention, là, faut vraiment pas faire des conneries. Parce que lui, ça touche tes paupières, c'est fini. C'est fini, on recommence tout, c'est fini. Pour intensifier le regard. N'est-ce pas?
Ah, je vais prendre un troisième mascara de chez Catrice, c'est le Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Cette vidéo va faire 1 heure. Et c'est une toute petite brosse, donc j'utilise pour les cils du dessous. Tellement peur, je me suis dit, bon, bah, on peut recommencer tout, c'est fini. Au revoir. C'est une brute. Je te tabasse. Je te mets des coups de mascara dans le visage. Voilà, que c'est bio, que c'est bio. C'est magnifique, t'es habillée en bleu, je t'ai mis du rose. Délicieux. Alors ensuite, passons à la face. On arrive à la fin. Donc dans la palette, j'ai un highlighter, un contour et un blush. Si on veut faire un petit peu de contour sur toi, on va prendre mon Catrice Brush. Je vais tremper dans un petit peu de chocolat soleil. Je vais en mettre un petit peu. 3 en fait sur le visage avec le contour. Histoire de donner une ombre au visage. Et de faire ressortir. Enfin, de faire. Ressortir ses pommettes, ouais. Un petit peu. Ok, vous pouvez voir, je vais genre. Je regarde à peu près à partir d'ici le haut de son oreille. Je regarde à peu près où sa pommette tombe et je place juste un petit peu au-dessus. Donc là, hein, je vais déjà lui faire le reste. Donc je mets en 3 au-dessus au niveau de son visage là, et je passe un petit peu ici. Ici. Je reprends celui-là. Je vais le faire estomper. On voit un peu. Donc là, je prends un peu de chocolat aloïc, chocaolique, qui est une teinte un petit peu taupe, qui va mieux au teint clair au niveau contouring, sinon ça peut vite faire une tache sur les ailes. Ensuite, on va prendre le blush qui s'appelle donc Chocolate Cover Strawberry. Fraise recouverte de chocolat. Couverte de chocolat. Donc mon petit pinceau. Je tapote un petit peu. Donc on va lui en mettre juste sur les petits pommettes un petit peu. Et juste légèrement tirer le reste vers l'extérieur. Donc sur les pommettes. Et ensuite on étire un petit peu le reste vers l'extérieur. Elle est pas mal. Ah, qu'elle est belle. Et ensuite, dernière touche niveau visage, on va prendre l'highlighter que voici. Donc c'est le Inner Light. Et maintenant on va faire ressortir tous les points de son visage qu'on veut faire ressortir. Donc tous les hauts points de ton visage, c'est-à-dire le haut des pommettes, le bout du nez, un petit peu le Cupid's Bow là, enfin l'arc de Cupidon là. Et en dessous des sourcils. Je vais commencer par les pommettes. Et je remonte un peu ici. Regardez-moi comme ça fait tout ressortir. La caméra qui coupe parce qu'il n'y a plus de place. Et en plus, il n'y a plus beaucoup de batterie. Bref, donc on a été à faire ressortir les endroits de son visage qu'on veut. Donc un peu le bout du nez. Le Cupid's Bow, donc l'arc de Cupidon. Je parle anglais, moi, c'est fou. Et ensuite, on va mettre en dessous des sourcils un petit peu pour faire un peu de lumière. Lumière, inner light, comme il dit dans la palette.
On peut lui en mettre un peu là, elle a pas la peau grasse, elle peut se le permettre un petit peu. Elle va briller pour les dieux. Elle brille pour les dieux. Voilà, ça c'est fait. Alors, attention. Maintenant que ça c'est fait. Rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour taille crayon. Oh, c'est le taille crayon spécial. Spécial ce crayon. J'avais pas le choix de le prendre parce que sinon je ne pourrais plus y aller. Bon, on va le mettre sur l'autre. Ça te choque ou pas? Choque? Putain, ça me fait bizarre de te voir maquillée comme ça. Je suis tellement pas habituée, je me suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute naturelle d'habitude et tout. À la limite, ce qu'on peut faire, on va faire un petit ombré. Je vais mettre un tout petit point de clair au milieu. Lève pour faire un petit ombré. Fais maman. Voilà, ça fait un petit peu... Super. C'est quand même mieux sans... avec les cheveux détachés. Ouais. Là, tu serais en robe rose ou un truc comme ça. De fou. Je suis choquée. On va envoyer une photo à Diana. Ouais, je suis tellement choquée. On va envoyer une photo, des photos à tout le monde. Vous avez vu mon œuvre d'art? Vous la reverrez plus comme ça. Choquée. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, c'était pas trop horrible. Non, c'était parfait. C'était parfait. Je vais avoir du montage à faire. Parce que là, on a fait 3 fois 10 minutes, je crois, un truc de fou. 3 fois 12 minutes ou 20 minutes même. C'est possible. Ah, vache. Après, non, il est quel... Ah ouais, quand même, 16h46. Ah. Ouais, ça a pris le temps, mais voilà, c'est comme ça, on a discuté, je l'ai expliqué, je vous ai expliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez revoir Océane plusieurs autres fois dans mes vidéos, si comme elle... cobaye. Ouais, comme cobaye, si elle vous plaît, ou si vous voulez la revoir, ou si je la jette et puis on n'en parle plus. Oui. C'est ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon Twitter ou m'envoyer un mail si vous avez envie. Tout ça, ça sera dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Toi aussi, tu leur fais des gros bisous. Bah oui, je leur fais. À la prochaine. À la prochaine, et puis restez vous-même. Bisous.